mes louloutes, j'espère que vous allez bien. Et j'espère également qu'aujourd'hui, vous n'aurez pas la tête de travers, que ma vidéo sera mise normalement. Hein. Mais bon, en même temps, c'est du Corinne. Et comme indique la vidéo, eh bien, on va se retrouver pour un haul, nose et action en même temps. Comme ça fait deux pierres deux coups. Mais avant, je voudrais faire une petite dédicace à un gamer qui s'appelle Linild. Linild. Donc, c'est un gamer qui fait des story time, qui fait donc du gaming, hein. Donc, ça veut dire du gaming. Il joue, hein, à des jeux. Encore où, hein. Je regarde en même temps, je suis dans ça, dans ses vidéos. Il nous a fait également, il fait des vlogs, donc sur Disneyland, entre autres. Et il a présenté, il a fait une vidéo où il a présenté plusieurs chaînes. Et j'ai été vraiment très émue parce que un gamer qui présente Mamie Corinne, une chaîne beauté scrap haul, c'est pas franchement sa tasse de thé. Eh bien, il m'a vraiment touché de me présenter parmi tous ces gamers. Et grâce à toi, eh bien, j'ai été sur Snack Reptile, où je me suis abonnée à lui, où il présente plein de serpents, d'araignées, de bébêtes comme ça. Mais c'est vraiment très intéressant, donc je te remercie de m'avoir fait découvrir cette chaîne. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne, je vous mettrai tout en barre d'infos. C'est un gars qui est très sympatoche et qui mérite d'avoir plus d'abonnés parce que c'est quelqu'un qui est un peu comme moi, comme vous, qui se prend pas le bourrichon, voilà, qui est pas à la recherche des abonnés forcément. Et donc il mérite bah, qu'on lui fasse de la pub, tout simplement. Donc si tu passes par là, des bisous. Et également à ma Mimi qui crée à loisir, qui a fait sa vidéo là, qui est sortie et qui m'a fait une petite aussi dédicace. Donc je te remercie beaucoup ma Mimi. Je suis vraiment contente bah, que ta santé s'améliore de jour en jour. Et ne t'inquiète pas, ça va aller de mieux en mieux. Donc voilà, aparté terminé. Mais je ferai de toute façon une vidéo pour vous présenter les chaînes que affectueusement. Oh, non, ça ne doit pas se dire en français. Affectionne. Affectionne, merci chérie. Affectionne tout particulièrement en espérant ne pas en oublier. Donc c'est pour ça que je vais prendre un peu de temps pour la faire, pour bien tout récapituler et tout bien mettre en ordre. Voilà. Donc, j'ai fini de blablater. On y va, on commence par Nose. Donc, chez Nose, j'ai trouvé. Ça commence bien, c'est pas écrit en français. Du scotch double face, mais en 3D à 75 centimes. Donc, j'en ai pris deux. Donc, on va en ouvrir un pour voir un petit peu. Parce que quand je suis allée à Action, je trouve plus de double face ni de 3D. Alors, je ne sais pas. Et voilà, ça m'attaque. Je ne sais pas si ils vont en refaire ou si ils ont arrêté complètement. Mais en même temps, à 75 centimes, il y en a 5 mètres. Alors, il n'est pas très épais. Mais pour faire avec les die-cut et shibboard en 3D, impeccable. Et pour le prix, on va pas se priver. Et également, alors là, un coup de bol. J'ai repris, et ouais, deux comme ça. Donc, du double face adhésif à 99 centimes. Ça m'en fait quatre. Parce que franchement, c'est de la bombe atomique. Ensuite, j'ai trouvé donc de la marque Toga à 99 centimes, il y en a 30. Ce sont bien des petites décorations, des petits embellissements. Alors, je vais les ouvrir de toute façon, après je vais les ranger.
en forme de petits nœuds à perles. Bon, en mer, oui, c'est du bon côté. Donc, où vous mettez de ce côté-là qui est le plus brillant, ou vous pouvez le mettre de ce côté-là qui est pâle. Ou vous pouvez très bien mettre de la peinture et comment? Et repeindre tout simplement les petites perles. Je mets du scotch parce que comme je remets dans le sac, j'ai pas envie de les chercher de partout. Ensuite, j'ai trouvé de chez Prima, donc c'est 6 pièces à 75 centimes. Ces jolis petits boutons. Je vais en enlever un, voilà. Donc, couleur mauve et crocheté. Et couleur rose, également crocheté. Ça fait aussi pour du chabi. Ça peut faire des trucs très bien. Et en plus, la petite carte est super jolie à détourer, enlever jusqu'à là. Et ça fait une petite carte à mettre sur une autre petite carte. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, pour 79 centimes, j'ai trouvé donc des œillets ronds. Il y en a 100 et bien sûr de couleur mauve. Je dois en avoir une autre boîte quelque part, mais ça sera après. Ensuite, pour 75 centimes de la marque Prima, ces jolies fleurs. Pareil. Alors, ça m'a l'air. Oui, du lin en lin. Et c'est, oui, on peut les coller en lin et ils sont superbes. Alors j'espère que vous allez bien voir. Parce qu'ici, bah, c'est pas le top top, hein, la luminosité. Donc voilà. Ensuite, alors là, j'ai trop kiffé pour 75 centimes ces jolies fleurs en raffia. Donc 75 centimes. Et donc j'en ai pris deux. Eh ouais, je sais, je suis faible. Ensuite, toujours pour 75 centimes, je ne l'ai pas fait exprès que c'était 75 centimes. Hein. Cette jolie, alors de la marque, ça doit être Prima aussi, je pense. Vous avez une bordure en dentelle. Des petits strass et là également une bordure en dentelle mauve et blanche. Et toujours la belle planche que vous pouvez réutiliser dans vos créas. J'ai trouvé également pareil, alors là de la marque, c'est It in Crystals, donc dans les couleurs orangé marronné. Donc pareil, vous avez la dentelle, vous avez les petits strass ronds et des petits strass en forme de losange et pour, eh oui, 75 centimes. Ensuite, je n'ai pas fait exprès, je vous jure, je n'ai pas fait exprès, je rigole toute seule de mes conneries. Pour, bravo, des petits nœuds. Mais des petits nœuds un petit peu spéciaux, car vous pouvez les mettre soit dans des créations ou alors mettre de la twine, les passer dedans parce qu'ils sont troués. Ah ben non, je vous vois pas. Voilà. Ils sont troués, donc ça peut faire deux. On peut s'en servir de deux façons. Vous les collez sur une création ou vous mettez de la twine et là vous mettez le petit nœud et vous faites pendre le petit nœud à une carte. Donc deux utilisations pour une chose. Moi je trouve ça pour de la balle. Et je les ai pris aussi pour pareil, hein, le même prix en ouais, beige. Rose pâle beige. Enfin, c'est mes couleurs en même temps. Vous savez très bien que moi et les couleurs, je suis pas daltonienne pourtant. Pour, bravo, vous suivez. Donc, de la marque Santex. C'est
ces adorables petits nounours noirs. Ils sont noirs, mais on peut bien sûr les peindre. Alors bien sûr, moi je vais enlever la petite pince et ça me fera des petites décos. Et puis éventuellement derrière, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, ils ont fait d'un côté noir et d'un côté blanc. Mais une fois que j'aurai enlevé la pince, on sait très bien que ça va, je vais essayer d'ailleurs, enlever un peu la peinture, et bien il suffira de peindre éventuellement, voilà, ça enlève ça, mais il suffit simplement de peindre et après de lui mettre ici des petites ameldotes, des petites pierres, un petit nœud, ni vu ni connu que je t'embrouille, et ça fait des jolies petites décorations. Je la pêche aujourd'hui, moi, je vous le dis, hein. Alors là, non, ça sens, ouais. Pour 79 centimes, des œillets. Donc, ils font un huitième, et là, ils sont noirs. Bon, sois sérieuse, Corinne, hein, sois sérieuse. Ensuite, pour 50 centimes, une gomme pour enlever toutes les petites strass, les petites traces. Oh, je n'ai du mal en même temps. Les petites strass. Non, pas les petites strass. Les petites traces que vous faites soit avec le ruban, soit avec tout ce qui est transfert où il y a la colle. Ça enlève la colle. Donc, génial. Ensuite, pour 60 centimes, ces adorables petits cupcakes de Mesabella. Et donc, eh bien, j'en ai pris deux. Hop. Ensuite, toujours chez Prima, pour, bravo, ce petit tampon, et en plus, il y a des petits strass. Alors, sur le tampon, il y a une jolie bordure qui peut faire dans les coins pour une carte. Il y a un oiseau, des papillons, une jolie clé. Donc, voilà. Ensuite, pour... Eh ouais, je vous l'ai dit, hein, voilà. Hein. Toujours, je pense, de Prima. Ces jolies petites fleurs en résine. Donc, il y en a 16. Donc, vous avez rose, marron, vert olive, marron foncé, bleu, rouge, mauve et beige. Oh, bravo! Et bien sûr, vous pouvez garder pareil la structure et vous en servir après. On continue pour 50 centimes. J'ai pris pareil de la marque Prima des décalques en floc. Alors si quelqu'un peut me dire ce que c'est que les décalques en floc, qui me mettent en commentaire, car quand on ouvre donc la première page, effectivement, on a l'impression que c'est une forme de... Ah oui, d'accord, je peux pas enlever du daim, mais on peut pas les enlever comme ça. Donc, mais si je les colle de ce côté-là, je vois pas le modèle. Donc, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est les décalques en floc? Sinon, j'irai voir sur Internet. Ensuite, pour 50 centimes, eh bien, j'ai pris des rubans. Alors, il y a toujours, bien sûr, le petit bâtonnet que je garde. Et là, vous avez le ruban où il y a marqué « True Beauty Live Within ». « My English is very, very good ». Pareil, vous pouvez garder ça. Moi, je les trouve super. Donc là, c'est sur les oiseaux, une couronne. Ensuite, vous avez ici, pareil, pour 50 centimes, c'est plutôt sur
Le moulin rouge, d'ailleurs ils appellent ça moulin rouge. Ouais, moulin rouge, French cancan. Toujours au même prix, 50 centimes, là ils l'ont appelé réflexion. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Donc réflexion, et c'est memories, c'est des oiseaux, papillons et bordures. Voilà, toujours avec bien sûr le petit truc là. Et là, des rebonnes, how are there yet. Et là par contre, il n'a pas de nom. Pour 50 centimes, pareil. Donc là, c'est plutôt pour faire pour un petit truc pour mon chouchou. Et là, de chez Toga. Alors, j'avais pas trouvé grand chose de la marque Toga. J'ai pris cette planche de tampon cristal vintage collection. Comme ceci. Donc voilà les modèles que ça fait une fois tamponné. Ah ouais, 2,99€. Alors pour la marque Toga, c'est pas cher, mais c'est vrai que pour Nose, ils auraient pu baisser. Mais sinon, en termes de la marque Toga, non, c'est pas cher. Et c'est marqué en plus en français, retour à l'envoyeur, nouvelle. Donc je trouve ça super. Et en plus, là, le vélo, j'adore. La petite bouteille de parfum aussi. Et qu'est-ce qui marque bouteille de parfum? En plus, je n'ai pas mes lunettes. Mais bon, on s'en fout. Le gramophone, la voiture, enfin bon. Mais pour nous, c'est vrai que je trouve que c'est un peu abusé. Donc voilà mes petites trouvailles chez Nose. Donc maintenant on va passer chez Action. Alors par contre j'ai dû virer le ticket de caisse parce que je ne le retrouve pas. Mais bon, c'est pas grave. Alors bah Corinne elle a craqué pour des conneries, hein. Faut bien dire ce qui est. Je crois que c'était 74 centimes ou 79 centimes. Ce sont des stylos. Alors, il a fallu, avec Chéri, qu'on regarde vraiment parce que ils étaient tous destroy. Tout ça, tous les bouts étaient partis. Enfin, bon. Comme d'hab, hein, les gens, aucun respect. Hop, on va. Voilà, donc c'est un bic, hein, tout simple. En bleu. Et donc là, c'est le petit œuf, dans les œufs dans le panier. Et moi, je les mettrai bien sûr en déco. Donc voilà, en voilà un. Bien sûr, en rose, hein, j'ai pas pu résister. C'est un petit mouton et ils sont sur ressort. Petit mouton. Voilà, ils sont. Je sais pas si vous allez voir le ressort, il est là. Voilà. Le petit mouton. Le petit poussin qui sort de son œuf. La fille qui a 56 balais et qui achète des conneries. Mais bon. Et le petit pimpin. Lapin pour les intellos. Voilà. Moi, j'ai trouvé, mais trop chou. Franchement, ils sont trop chou. Pour le prix, hein. En même temps, c'est décoratif et ça écrit. Alors là, je ne sais pas si c'était une nouveauté. C'était 2 euros et des bananes. Ce sont 8 pièces de tampons en bois. On y va. En plus, ils ont la grandeur du tampon. Donc là, ce sont les jours de la semaine, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Voilà. Il y a waouh, et c'est pareil, ils sont pleins. Il y a
cancelled, annulé. Il y a congratulations, félicitations avec un ballon. Il y a yeah, pareil, hein, ils sont pleins. Une jolie plume. Weekend. Et oh là là! Donc, à essayer. Et je vous en redirai quoi. Ensuite, alors là, j'y allais que pour ça. Je voulais à tout prix trouver les marqueurs glu. Sauf qu'il y en avait une qui squattait le rayon scrap. Apparemment, elle avait mis son chariot et puis elle son gros cul devant tout. Et ben, tu pouvais pas avancer, ce qui fait que je suis passée devant, je les ai pas vus. Et c'est en revenant après, je fais « Ah ben si, ils sont là les stylos !» Voilà, donc il y a une pointe fine et une pointe un peu plus grande. Donc pareil, à essayer. Donc ça marche à peu près partout sur le bit. Vous pouvez vous en servir. Donc, on peut s'en servir. Vous écrivez un mot. Alors pas comme moi parce que avec mon écriture de cochon, c'est même pas la peine. Vous pouvez saupoudrer de paillettes et c'est prêt. Voilà. Ou alors, vous pouvez vous en servir tout simplement, écrire, dessiner sur photo, carton, saupoudrer des paillettes, de la poudre, des confettis, etc. Voilà. Mais aussi pour coller les petites pièces, comme vous mettez sur des cartes. Et donc, j'en ai pris deux parce que je me suis dit, ça va partir et après, il y en aura plus. J'ai pris évidemment des She-Birds. Et j'ai, alors, il y en avait beaucoup, mais j'ai pris vraiment ceux qui me plaisaient le plus. Donc, style indien, bien sûr, le crâne de buffle pour chérie. Également celui-là où il y a marqué Congratulations. La plume, donc une autre plume, des petits cœurs. Enfin, elle est super. Et les autres petites plumes, j'arriverai à le trouver. Alors, celle-là, j'avais craqué quand je les ai vues sur les halls. Ces papillons avec des lettres, avec des petits timbres, des petits anges. Elle est, alors, celle-là, si j'avais pu en prendre 50, j'en aurais pris 50. Mais après, voilà. Quoi, hein. On peut pas non plus... Et j'ai pris, bien sûr, hein, celle d'été. Ben ouais, moi ça y est aussi, je suis en été, fini l'hiver, donc on est en été, la glace, les palmiers, et c'est pas mal, franchement ils sont pas mal. Et c'était 64 ou 69 centimes, je regarde chérie parce qu'il est là, mais je m'en rappelle vraiment pas. Ensuite, Ruben Stickers, donc j'ai pris cela, alors pareil, il y en avait plusieurs modèles, mais j'ai pris vraiment celui qui me plaisait. Donc, ils sont en gold. Donc, il y a marqué Kiss, Weekend, Sweet Memories. Et là, j'ai pris parce qu'il y avait la tour Eiffel, le petit parfum, les petits sacs, très girly. Et ici, pareil, donc Fashion, Change by Style. Smile is the best dress. Avec des petites glaces, des petits, un petit lama, une hirondelle, voilà. Et j'ai pris que celui-ci. Je voulais les marrons et vertes, il n'y en avait plus. Il n'y avait plus que ces roses. Donc, c'est les fleurs avec les petits gemmes. Donc, en rose pâle et en rose foncé avec les petits cœurs et les petites perles. J'aurais bien aimé trouver les vertes et les en vert et marron, là. Mais il n'y avait pas. Tant pis. Et bien sûr, j'ai pas pu résister, hein. Un die-cut 3D sur la bouffe. Et c'est que sur des gourmandises.
comment tu veux maigrir quand t'as des trucs comme ça ou qui te font que de la bouffe en même temps? C'est pas possible. Et vous savez que j'adore faire en 3D avec et faire les cartes et mettre en 3D. Et moi, je le trouve génial celui-là. Franchement, voilà. Non mais c'est pas beau ça. Franchement, comme dirait ma sœurette, franchement. Voilà. Donc je vais pas tout vous montrer hein, parce que ça serait spolier un peu. Et bien sûr, à la fin, vous avez les petits die-cuts en supplément. Une feuille ou deux, je sais plus. Ah, une feuille? Non. Finalement, il doit y en avoir deux. Ah ben non, là, ils ont mis qu'une feuille de die-cut supplémentaire. Il y a marqué Congratulations, the cake size 1936, lollipops, I love chocolate. It's very, very good. It's true. Voilà. Et bien voilà pour mon petit haul nose et action. La vidéo fait quand même 26 minutes. Hein. Bon, en même temps, si Corinne t'avait pas raconté ta vie, ça aurait été plus vite. Mais bon, en même temps, c'est normal. Hein. Je vais pas vous balancer les trucs comme ça et puis démerde-toi, regarde la vidéo. Donc, vous savez que j'aime bien blablater, c'est normal. Et peut-être qu'après, je ferai peut-être un live. Peut-être. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, c'est comme ça. Pour les autres, hein, vous savez faire. De tout mon cœur, je vous envoie des millions et des milliards de bisous. Vous êtes une team Purple Love en or massif. Merci, merci du fond du cœur. Vous êtes adorables. Donc, je vous envoie des millions et des milliards de bisous. Allez-y, attrapez-les. Et tous ces cœurs s'envolent vers vous, car bientôt c'est la Saint-Valentin. Que vous soyez seul ou pas, eh bien moi, je vous voilà. Pour ceux qui sont seuls, je vous envoie plein de cœurs. Donc nous, on se retrouve très très vite pour de prochaines aventures. Ciao, ciao.